Salut tout le monde. On est avec Hugo, vous le reconnaissez sûrement je pense. On est là pour pêcher le bar bien entendu, en première catégorie. Non je déconne, on est là pour pêcher la truite bien sûr. Truite au leurre au programme, on va essayer de découvrir des petites rivières. Voilà, c'est ça le programme. Ouais, ouais, c'est ça. La découverte. Yes, à la découverte, on va partir un petit peu à droite à gauche sur diverses rivières. On va voir ce qu'on peut trouver. On va viser un peu toutes les tailles. On va partir de bah là on est sur une assez grosse rivière quand même. Là il y a une belle fosse derrière nous d'ailleurs, vous pouvez voir avec une belle cascade. Donc là c'est une rivière quand même assez large. Et puis sinon on va essayer de se concentrer peut-être sur des rivières un peu plus petites en diamètre. Donc des plus petits ruisseaux. Voilà, voilà au programme. C'est parti, let's go. Oh, il y a une sacrée fosse là. J'aurais dû passer au souple. Poisson. Allez, viens. Poisson. Premier lancé au Jackie Chan, mon pote. Ouais. Bon bah les gars, on est sur un petit parcours bien sympa, vraiment là. Une rivière qui est vraiment assez rétrécie. On n'avait rien à aller avec des leurres rapides, donc Hugo il a la cuillère. Moi j'étais à la cuillère aussi. On n'a pas eu vraiment de résultat. Du coup, je suis passé sur un souple, un petit Jackie Chad en plus, Jackie Chad 50. Et premier lancer, ça a payé. Vraiment, j'ai gratté dans la fosse, donné des petits twitch. Une petite truite. Un petit truite prêt avec un petit Jackie Chad vraiment au coin de la gueule. Voilà, Jackie Chad 50, un petit coloris un peu vert naturel que j'ai fait juste hier en plus. Voilà, release de la petite truite. Hop, allez, vas-y, ma belle. Elle repart vraiment collée au fond. Yes, c'est bon ça. Oh, c'est cool, il y a du poisson déjà. Oh dommage. Bon, Hugo vient de décrocher une truite là, il en a loupé une deux fois il y a une minute, il vient d'en décrocher une. C'est bon signe, il y a du poisson, ça c'est cool. Ah, il y en a une petite qui est venue me voir. Faut qu'il y ait un petit. Oh ouais, il y a un trou mon gars. Oh, en face des murets là.
concernant le matos qu'on va utiliser, alors perso je suis avec une canne 2m10 en 0,5 grammes de puissance, donc avec une action assez moyenne, assez molle on va dire, ouais elle est assez molle. Avec ça je suis avec un petit moulinet en taille 1000 avec un nylon en, je crois, en 18. Voilà, tout simplement, pour pêcher simplement, j'ai même pas de badling en fluoro, je pêche en nylon direct. Et toi, tu pêches avec quoi? Alors moi, du coup, je suis sur une Sakura Tsubaki en 2,7 grammes, avec un petit moulin, un Calvia de chez Daiwa en 2005. Et puis après, au niveau 13, je suis en 8 centièmes. Et en badling, je suis avec un petit fluoro en 18 centièmes. Bon bah voilà, c'était le petit point matos. Maintenant, place à la pêche. Poisson. Oh, décro, elle était sympa. J'en décro, je suis une belle. Ça va payer. J'en ai tombé sur une marche. Ouais. En fait, oh. Vas-y mon gars, vas-y, elle était sympa. Attends, je dégaine les pistettes. À mon avis, il faut mettre une cuillère, un truc pour les agresser, je pense. Essaye quand même de faire lancer loin, à force de faire du bruit, sinon tu peux les mettre en alerte. Là c'est pas mal là. Oh oui. Je crois qu'on va suivre. Oh non. J'avais fait le lancer qu'il fallait. Ouais. Oh attends, il y a des trucs là, j'en ai vu. Voilà, les deux cascades là, ça va être, ça c'est un hot spot ça. Pour moi ça a pêché à la finale. Ouais. Oh putain, t'as vu ça? Oh, t'as vu la petite? Ouais. Décro, c'est pas grave. Ok, ils ont compris la musique OPN, maintenant je vais mettre une cuillère. Ouais. Attends, je vais tenter avec un sinking. Non, un sinking, je vais bien le laisser couler. Je vais le faire travailler au ras du fond. Elle est venue la chasse, elle est venue le chasser. Wow. Oh, poisson. Vraiment, c'est bon ça. Merci. Oh, décroché dans l'épuisette. Pas bon ça? Oh, elle est passée à travers une maille. C'est pas grave. Yes, c'est bon ça. À la cuillère tournante. Tiens, merci mon gars, merci pour le petit coup d'épuisette, c'est cool. Ouais. Bien joué ça. C'est bon ça. Petite truite. Super. Bon voilà, Hugo nous a fait une petite truite à la cuillère, cuivrée. Hop, ça va pas grandir. Toute petite truite, hein. Nickel. C'est bon ça. Bien joué mec. Attends, je te décroche ta cuillère.
On va peut-être persister un petit peu là. On vient de faire deux poissons quand même. Il y en a une derrière tous les deux. Oh, le vent. Attends. Et après, ça diminue. Hein. C'est un petit coup. Oh non, je suis pris dans la grosse merde là-dedans. Oh, elle est sympa celle-là. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Tu l'avais call. Attends, je viens ton aide. Bon Hugo, qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, je vais lancer avec ma petite ARS juste devant. Là, j'ai un premier suivi. Elle repart jusqu'à temps de me prendre quasiment dans mes pieds. Super, vas-y montre-nous ça à la GoPro. Petite truite, enfin petite. Sympa franchement. Ouais, ça fait une truite de 30 au moins. Elle est bien longue. Magnifique, magnifique truite, vraiment. Magnifique robe, splendide. Hop, on va la remettre à l'eau. Allez, let's go. Dans le sens du courant. Oh, elle est partie. Nickel. Check. C'est bon ça. Bien joué mec. C'est beau. Wow. C'est n'importe quoi. Tiens-moi ça. Ça c'est bon ça. C'est la même en plus. Bon, Hugo vient nous refaire une truite là. C'est ça là-dessus. Tu me permets de la décro. Vas-y, ça va faire bien le coffre en plus. Ah, mais t'as qu'à pas mettre à l'abri et revenir après. Ouais, carrément. Là, je pense que vas-y, on fait ça. Attends, petit dernier. Bon, bah, une pause s'impose. Bon, comme vous avez pu le voir, on était sous la flotte, vraiment trempé de ouf. Il a eu un. En fait, bah, le temps s'est vraiment assombri, donc on a enchaîné quelques poissons. T'as fait 3 truites, c'est ça? Ouais, j'ai pris 3 truites d'affilée quasiment, que ça s'est enchaîné. Ouais, bah, 3 truites. Moi, j'en fais une, donc vraiment une belle frénésie d'un coup. Et d'un coup le ciel s'est assombri, une grosse pluie, ça a troublé un peu l'eau, la surface était du coup plus du tout lisse, il y avait du vent, il y avait des choses qui tombaient à la surface. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit bah on va faire une petite pause dans la voiture, on va se mettre au sec parce que surtout j'ai le matos vidéo dans le sac, il faut éviter qu'il prenne un peu trop l'eau. Donc on s'est dit on va se faire une petite pause, on va se mettre au sec. Puis bah c'est ce qu'on a fait, donc là on est requinqué, on va repartir sur le même spot. Il repleut un petit peu mais normalement il devrait beaucoup moins repleuvoir que ce qu'il a plu, que ce qui est tombé. Et on va pêcher bah, tout le long. Hein. Ouais, il reste encore quelques beaux spots donc on va voir après ce qui se cache et puis on verra bien. C'est ça, en plus t'as loupé vraiment des beaux poissons. Ouais. Tu te fais suivre par bah, plusieurs poissons de plus de 30, on peut le dire. Hein. Ouais, je pense que ça se verra à la cam, mais sinon ouais, il y avait une grosse truite qui m'avait suivi à la cuillère. Ouais. Je pense qu'elle faisait au moins 45 plus, voire même 50, donc c'était vraiment un gros poisson, mais elle est pas revenue. Yes, donc on va voir tout ça. On va essayer de refaire du poisson tout simplement et puis bah on vous laisse avec les images. C'est parti. C'est un peu plus loin, Hugo nous fait l'arc-en-ciel du Seigneur. La traditionnelle truite saumonée. Voilà, belle petite arc-en-ciel. Bon, nous, on pêche pas pour manger. Enfin, en tout cas, toi, tu pêches pas pour manger. Non. Donc, ça repart à l'eau. Yes. Let's go. Okay. J'essaie de la remettre à l'eau le plus bas possible, même si ça va être compliqué. Tout ça pour une arc-en-ciel. Tiens. Hop là, elle est repartie.
Et voilà, fin de session. Fin de session. On a un peu claqué, mais bon, on a fait du poisson, c'est l'objectif. Ouais. Et l'objectif s'est rempli plutôt. Et donc du coup, si on résume un peu la session. Bah, au début assez compliqué, on réussit à trouver un peu de poisson. Jérém il en fait une directement au jacquichat direct dans une petite fosse. Ouais. Après du coup on a vite compris qu'ils étaient plus sur des leurres souples. Donc après du coup moi j'ai mis aussi un petit jacquichat, j'enchaîne un peu les touches, j'en décroche pas mal. Donc ouais, avec des suivis etc, mais impossible de réussir à en faire une. La seule que j'avais pendue, j'étais accroché en même temps dans une branche, donc elle s'est décrochée forcément. Et yes, du coup voilà. Bah on a eu, ouais, sur la première partie on avait pas mal de touches où est tapé vraiment du bout des lèvres. Donc c'était compliqué de vraiment en trouver. Après on a bougé sur un autre spot, dernier spot, donc on a eu l'accès, à deux petites cascades et ensuite bah après une petite portion de la rivière qu'on a pu pêcher. Yes. Et bah là ça a été festival. Ouais. Festival, enfin festival. On a quand même eu en fait un gros pic d'activité, voilà, sur un moment, juste sûrement à cause d'un petit orage qui est passé juste après. On a eu vraiment des suivis dans tous les sens, donc t'as été suivi par des gros poissons de, ouais, ouais, de plus de 40, ça c'est sûr. Ouais, ouais. D'allant de 25 cm jusqu'à plus de 45, ouais, facile. Ouais. Vraiment des beaux poissons qu'on a vu suivre presque juste dans nos pieds. Peut-être qu'à la GoPro on va les voir, c'est ouais, pas sûr. Et sinon, bah, sinon en termes de concret, on fait, tu fais 3 poissons, moi j'en fais une, c'est ça, ouais. Deux, t'en fais 2, j'en fais 3, 4 avec l'arc-en-ciel. Ah oui, avec l'arc-en-ciel, donc voilà. C'est à peu près ce qui a retenu de cette session. Bon là on a fait pas mal de petits poissons. Après ça a été plus compliqué dans la deuxième partie. On s'est tapé la grosse pluie. Ouais. Puis après on a pêché en la même zone, on n'a pas fait de touche. Ouais. Et on est revenu sur une autre zone. Rien non plus. Ouais. Donc, après je fais quand même la petite arc-en-ciel pour terminer. Puis après ouais c'était quand même compliqué généralement. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour cette session. J'espère que la vidéo vous aura plu. Puis bah à la prochaine. Et puis à la prochaine, il y a sûrement l'ouverture bar qui va pas tarder à arriver sur la chaîne, je pense. Yes. J'ai toujours pas fait les premiers bars de la saison. Je vais commencer à aller me faire quelques sessions rapidement, je pense, pour les fans de bars sur la chaîne. Allez, c'est parti. Je vous laisse. À plus. Salut. Boum.